l'équipe. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je rigole. Elle casse les couilles. Aujourd'hui, l'équipe, on va voir si Maëva connaît réellement les trucs de mecs. Je connais tout. Nous les mecs, on a nos trucs à nous. En gros, dans cette vidéo, Jess va me poser des questions, on va dire, centrées entre guillemets sur les mecs. Parce que bon, je sais très bien que tout ce que tu vas me dire, les meufs elles connaissent, bien évidemment. Et puis c'est pas que les mecs qui font ça. Oui, voilà. Tu comprends? Ouais. Ne nous mettez pas dans une sauce pour rien. Une sauce pour ça. Dire, je sais pas, tu vas me parler de joueurs de foot, enfin des trucs auxquels nous on s'intéresse pas forcément. Exactement. Tu vas montrer des objets. Peut-être des joueurs de foot, ouais. Ou peut-être des paroles de chansons de mecs. De mecs. Enfin, de mecs, parce que t'as capté, mais voilà. Ok. Donc voilà. Je connais pas mal de choses. Et je suis prête. Je connais pas mal de choses à vous. En vrai, tu me sens comment? En vrai, je te sens bien. Parce que c'est vrai que Maëva connaît beaucoup de choses sur les mecs, connaît tout sur moi, bref. Ouais, mais c'est pas pour autant, parce que toi, tu connais pas trop sur les meufs. Ah ouais? Ouais. Bref, on commence tout de suite. Une intro pas très longue. Ah, comme tu voulais, intro pas très longue. L'équipe, dites-nous si vous préférez les intros longues ou pas longues. Moi, j'aime bien les intros longues parce que j'aime bien parler. T'es prête? Oui. On va commencer tout de suite par les paroles de chansons de mecs. Donc, on commence tout de suite. Ouais. Tu dois dire la suite des paroles, ok? Ok. Je te dis là, si t'as un truc, tu dois dire. Ouais, ouais, j'ai compris. Ouais. Et tu dois la chanter hein, vraiment avec l'énergie. Ok, vas-y, tu dois la chanter avec l'énergie du bout qu'il a dit. Oui. Tu dois la chanter avec l'énergie du bout qu'il a dit. T'es prête? Ouais, je suis prête. Y'a ta bitchise qui veut qu'on l'attrape. Hey, hey. Depuis le pilo, j'ai passé le parc. Hey, hey. Si je paye le thé. Si je paye le télo, c'est pas. Si je paye. Attends. Si je paye le télo, c'est pas pour. Comment il fait pour le dire? Si je paye le télo, c'est pas pour jouer aux cartes. Si je paye le télo, c'est pas pour jouer aux cartes. Si je suis un. C'est que t'es. Alors tu la fermes les cartes. Hey, hey. Hey, hey. Y'a ta bitchise qui veut qu'on l'attrape. Hey, hey. Après c'est. Mais depuis le mille, j'ai passé le cap. Depuis le mille, j'ai passé le cap. Hey, hey. Voilà. Bien joué. Franchement, bien joué. Non, mais c'est facile là. Par oh, contre, t'as dit un truc. Si je veux un truc, c'est pas pour jouer au parc. Un truc comme ça. Oui. T'as dit de la merde. Non, mais je savais que c'était ça. Ça pue la merde. Non. Non, mais c'est que je savais pas les trucs exacts. Mais... Faut dire les paroles exactes. Ok. Mais par contre, l'énergie était là. Ah, l'énergie était là. L'énergie était là. Donc, je compte le point. Logiquement. Je compte le point. Logiquement. Je compte le point. Logiquement. Logiquement, je comprends le mot. J'ai pas pris mes médicaments ce matin, je suis désolé. Ok, je sais pas si tu mettras des bips, j'ai pas le temps de calmer, tu peux me laisser. Dans tous les cas, je me casse pas, toi tu me laisses. T'es mal à quichta, t'es mal à taille de la quichta, hey. T'es mal à quichta, t'es mal à taille de la quichta, hey. Bah enfin, drill 4, tout s'est passé comme drill 4. Voiture, allemande, t'es allemande. Bon, vas-y, c'est vrai. C'est validé, c'est validé. Ouais, c'est validé, t'inquiète, bien joué. T'es con ou quoi? Ça fait deux fois je te le fais. La suite, tellement de bif. Généré par le four. Wouh. Tellement de bif. Généré par le four. C'est ça après. Non, c'est à la fin du couplet qu'il dit pas raté. Après, il dit quoi? La deuxième partie du couplet, c'est quoi? Quand? 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 Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Ouais, ouais, ouais. Quand je marche, les billets tombent. Okay. J'ai l'énergie en fait. T'as l'énergie, t'as tout. Et l'équipe, en fait, vous savez pourquoi elle connaît tous ces sons? En voiture, je suis lâché bro à mort, j'aimais tout ça. Eh, avant, j'ai détesté le rap et tout, je pouvais pas. Vraiment, et maintenant? Et comment je l'ai mise dans le rap? Tellement de bif. Généré par le four. Je veux 1 000 000 d'euros. Ah, un petit peu plus dur, tu vois, un petit peu plus subtil. C'est qui? Je peux pas te dire. Sérieux? Ouais, ouais, toujours. Je veux 1 000 000 d'euros. Oh. J'ai déjà 1 000 000 de vues. Là où c'est ma go, c'est pas que la mienne, donc c'est qu'une. Ah, bien joué. J'avais mes raisons. Moi aussi, je sais pas. C'est qui ça déjà? SDM. Bien SDM de Panam. Cette la disso est salée. Pile, on pile. On va revendre. Elle a pas mon gosse, mais bien drôle dans le ventre. Putain. Eh, c'est trop. En 2015, 2016, 2017. Ah oui. Pas du tout. J'écoutais pas du tout le rap, j'étais testé. Mais là, depuis que j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, j'apprends à mourir musicalement. À mourir musicalement, vas-y, ok. À m'ouvrir. Vas-y, garde la pêche, vas-y, ok. Ah, je rigole. En 2017, donc. Vas-y, ok. Garde la pêche. Ok, sors. Ok, tu veux, tu penses? C'est qui ton père? Ok, je sors. Quoi? Quoi où? Suivant. Je viens chercher du liquide. Attends, refais la top line de ça. Je viens chercher du liquide. J'ai 4 fois le bif à Johnny Depp. Bloc rempli de biche, vis, serre, cric, chie, je dis bon week-end. Ok, c'est la bonne top line, mais c'est pas du tout les bonnes paroles. Si? Non. J'ai 4 fois le bif à Johnny Depp. Non, j'ai 4 fois le vis. Bah ça aurait pu être triste. J'ai cherché du liquide. J'ai 4 fois le vis à Johnny Depp. Bloc rempli de biche, vis, serre, cric, chie, je dis bon week-end.
Attention, là tu vas démarrer au quart de tour. Comment t'es gaze, Habibti? Les jaloux m'ont rendu addictif. Je 3, 5, 7, mon fictif. Grrr. C'était quoi? Oh, la zone. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Franchement, c'est cool, bien. Franchement, je connais, c'est validé. C'est des phrases iconiques. C'est validé. Oh putain. Non, j'adore. Je l'ai quand même fait, hein. Toi, maintenant, tu sais, on va faire quoi? Maintenant, je vais te montrer des objets. Ok, je kiffe. Tu vas deviner à faire à quoi ça pense. Tu vas devoir deviner à quoi ça... Tu vas devoir deviner à quoi ça sert. À quoi ça sert. Ok, c'est parti. Ça sera quoi? Ok, je sais. Pour se muscler les doigts. Ok. Ça? Elle connaît trop tous les trucs comme ça. Ah, il y a un nom? Ouais. Un muscleur de poignet. C'est tout? Non, je rigole, je sais pas comment ça fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour faire de la muscu. Pourquoi la barre, elle est comme ça? C'est peut-être pour un muscle particulier. Pour un muscle thoracique. Ah, bah, je sais. C'est ça? Ouais. Pour que ta tête, elle passe. Pas la tête. Tu puisses. Pas la tête. Pas la tête. Un peu plus bas. La teub. Tu veux muscler la teub? Tu veux comment pour le soulever? Tu mets le poids ici et... Mais c'est pas la teub. C'est pour la muscler. Non mais c'est, le bras c'est une métaphore. La teub elle peut pas soulever ça. Quoi? Au nom de Dieu c'est un muscleur de pénis. Arrête. Montre-moi sur Google. Mais la teub, vas-y. Voilà. Alter pour Zizi. Non mais c'est des gadgets genre. C'est tout petit. Ah moi je crois que c'était un gros truc genre comme quand tu vas à la salle. Mais non c'est un petit. C'est un gadget. Je crois que c'est pour rire ou... Ça sert à quoi? C'est un truc pour les cheveux non? Non. C'est pas pour faire tes contours ou quoi? C'est pas pour les cheveux. En fait ce qui me saoule c'est que sur l'image on peut pas voir si c'est petit ou grand. Tu dois savoir. Alors là, je sais pas. Tu sais pas? Donne-moi un indice. T'as perdu? Donne-moi un indice. Dis que t'as perdu. Mais donne-moi un indice. Dis que t'as perdu, dis que tu sais pas. Donne-moi un indice. Cheveux t'étais pas loin. Barbe. Ouais. C'est pour délimiter. Okay. Tu vois quand j'ai pas de barbe. Oui j'ai pas de barbe et alors. Bref, si j'avais de la barbe là c'est pour délimiter. Ok d'accord. Mais un jour je vais avoir de la barbe. Hein. C'est pour ça que je connais pas parce que t'en as pas donc. Déjà j'ai une regarde, j'ai des coffres. C'est quoi? Ça c'est un truc. Wow. Ça veut dire que ça va venir là aussi. Ça c'est quoi? Franchement je sais. J'avoue t'as trouvé des trucs bien. Hein. J'ai regardé les autres vidéos des couples et tout, ils ont trouvé des putains d'objets comme ça. Ça c'est pour mettre son pied, non? Non, non tu mens. C'est petit. Ouais c'est petit. Je pense que c'est une pince. Ça ressemble à une pince. Une pince à quoi? Pour les cheveux. Pour les cheveux? Ouais. Non pas du tout. C'est une pince pour les vêtements? Oh oui. Pour les cravates? Ouais. Oh! Comment ça va? J'en ai déduit ce que vous avez comme vêtements spéciaux. Spéciaux, ouais. Ça dépend, peut-être que j'ai parlé au singulier. T'as dit des vêtements? Non. T'as dit des vêtements? Aux vêtements. Non, t'as dit des vêtements. Non, j'ai dit aux vêtements. T'as dit des vêtements. Vous avez comme vêtements spéciaux. Ok, maintenant, au niveau des objets, c'est fini. Lui, c'est qui? Je sais, c'est le boxeur. Ouais, c'est un Anthony Joshua. Ok, lui, c'est qui? Eddie Malou. Mais non, c'est qui? Eddie Maria. Et lui, c'est qui? Lewandowski. Alors là, je ne dis rien. La tête d'homme, il est plus connu que Di Maria, que Anthony. J'ai déjà entendu son nom. Obligé. Ouais, t'as déjà entendu son place, obligé. C'est quoi son équipe? Dortmund. C'est un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Tu ne veux pas l'avoir raté. Alors là, je suis sûr quand tu vas tout le monde dit c'est le futur du foot et tout. Il s'appelle Haaland. Oh, j'ai jamais entendu. T'as jamais entendu? Jamais. Ah ouais, tu suis pas du tout foot. Ah ouais, jamais. Haaland. Lui c'est qui? Lui là. Il est vieux lui. On dirait un montage, on dirait sa tête elle a été placée sur son corps. Ah ouais. Bref, lui c'est qui? Je le connais. Ouais, tu le connais? Bah oui. Tu dois le connaître. Non, si tu le connais pas, je te quitte chaud le champ. Les joueurs du Barça, je le connais en plus. C'est une légende du FC Barcelone. Le Barça, t'as déjà visité le Camp Nou, bah tu oui. connais. Attends, y'a qui au Barça? Y'a Neymar. Arrête. Neymar il est pas au Barça? Mais il va arrêter. Neymar il est pas au Barça? Neymar il est où mais il va arrêter? PSG. Oui. Ah oui, moi je suis encore à l'époque. Neymar il a quand même été au Barça. Je suis encore à l'époque. Non mais arrête de dire tous les joueurs. Je sais pas. C'est qui? Je sais pas. Et ça commence par un I. I, merci. La deuxième lettre, s'il te plaît. N. Iniesta. Oui. Ah j'ai eu peur de te quitter. Ah la honte que t'allais foutre. Ok, il reste deux dernières questions. Donc là maintenant c'est des situations de mec. Quand on fait ça, ça veut dire quoi? Ok. Alors pourquoi on met souvent nos mains les mains dans le calbar? Bah vous êtes à l'aise, genre ça vous détend. Ouais. Quand on dit vas-y fais ce que tu veux, ça veut dire quoi? Alors quand les mecs vous disent fais ce que tu veux, ils te donnent pas de directive, mais fais attention à ce que tu fais. Non, non, la tête d'homme ça veut pas dire ça. Ça c'est vous les meufs. Non, ok, c'est bon. Quand ils vous disent fais ce que tu veux, ça veut dire ne fais pas ce que tu veux. Non, c'est faux. Ok, j'ai une autre idée. Mais parle plus fort. Quand ils vous disent fais ce que tu veux, ça veut dire... Tu sais pas. La tête d'homme, c'est pas ça. Quand ta mec il dit fais ce que tu veux, c'est vraiment fais ce que tu veux. Oh.
La nous n'est pas comme vous. Oh, fais ce que tu veux. Mais si tu le fais, attention. Nous n'est pas comme ça. Si je te dis fais ce que tu veux, c'est fais ce que tu veux, je m'en bats les reins. T'as été gaze, t'as été gaze. J'ai été gaze, t'as dit? Oui. J'ai eu de bonnes. Quoi? Non, dis la vérité, j'ai ce que t'es. Non, t'as été normal. Un petit 12 sur 20, genre. 13, allez, 13. Allez. 13 si je suis un prof gentil. T'as capté 13 sur 20. T'es sérieux, Jess? Hein? 13 hmm? 15, wesh. Après le confinement. Mais arrête. Ça couvre le feu. 15. 13. Alors, ok. Les filles, s'il vous plaît, donnez-moi des questions. Parce que lui là, tu me donnes une mauvaise note comme ça, ah, ça donnez-moi en commentaire vos questions pour les mecs. Ou venez sur Insta. Venez dans mes DM parce que lui il va voir. Dans les DM. Bon, okay. Équipe, on fait de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est léché. Tout est carré dans l'axe.